Vous êtes prête, Virginie? Oui. Attention. Top. Que boit Astérix pour être fort? La potion magique. Bonne réponse. Laurent. Top. Quel os du corps humain large et triangulaire doit son nom au fait qu'il est plat? Scaphoïde? Non, le fait qu'il est plat, c'est l'omoplate. Virginie. Reste. Maître. D'aller les chercher. L'opération a commencé lundi dernier. Oui. Donc il faut les ramener chez soi, il faut les remplir et surtout ne pas oublier de les ramener. Parce que moi je connais beaucoup de gens qui les remplissent méticuleusement puis qui les gardent. Oui. Les gardent. Alors si on n'a pas de tirelire, ça peut être un sac en plastique, ça oui. peut être un peu de confiture, ça peut être ce qu'on veut. Oui. Et donc toutes ces petites pièces vont permettre de financer des chambres pour les enfants malades. Des maisons des parents, des maisons pour les ados. Puis il faut bien rappeler que nous œuvrons dans la France entière. Merci beaucoup, Anne. Beaucoup de respect pour Anne Barrère. Là, on se concentre. Il n'y a plus de cases sur l'étoile mystérieuse. Là, c'est de la grande loterie, le grand loto, quasiment 65 000 euros de cadeaux. Je vois vous vous échauffer. Première question. Quel nom donnait-on aux danseuses qui entouraient Claude François? Soit les fantômettes, les supérettes, l'autre. L'autre. Votre idée. Je pense aux Claudettes. Les Claudettes. Ouais. Eh bien, c'est la réponse masquée qui s'éclaire en vert. Oui. Ça va. Toujours. Les pièces jaunes et puis toujours les 20 000 à partager avec vous. Deuxième question, à quel poste évolue habituellement le footballeur Zlatan Ibrahimovic? Est-ce qu'il évolue en gardien de but ou en attaquant ou l'autre? J'aurais dit en attaquant. Derrière l'autre, il y a en milieu de terrain et c'est une bonne réponse. Question suivante. Quel est le prénom de Gros Minet? Titi, Sylvestre, l'autre. Sylvestre. Derrière l'autre. Hector. Et bonjour pour les pièces jaunes qui sont heureux. Et Titi est tout jeune. Et Sylvestre. Eh bien, le Gros Minet, nom d'un fat, nom d'un fat. 130 000 euros pour les pièces jaunes. Et on continue. Tout le monde appelle le 3680 et tout le monde envoie le mot midi au 7-13 parce que va peut-être y avoir deux tirages au sort phénoménaux aujourd'hui. Quelle partie du corps est douloureuse chez une personne qui a un lumbago? Le genou. La gorge. L'autre. L'autre. Votre idée? Le dos. Derrière l'autre. Il y a le bas du dos et ça marche. Allez, 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 on y croit. On est là pour les pièces jaunes et on est là pour les téléspectateurs pour 20 000 euros. Les derniers SMS peuvent arriver, les derniers appels au 3680 peuvent arriver et être pris en compte de cette dernière question. Quelle partie d'une église est perpendiculaire à la nef? Le tympan, le vaisseau ou l'autre? L'autre. Derrière l'autre, il y a le transept. Virginie, la réponse est... Non, tu gagnes tout le monde. Non.
suis très 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 heureux pour vous et pour les téléspectateurs parce qu'écoutez bien, ce n'est peut-être pas terminé. Vous allez avoir des sous, vous avez 10 000 euros net d'impôts pour vous et également pour un téléspectateur, c'est vrai. Je pensais même pas, j'avais peur à cause du prix du train et maintenant je me retrouve et je gagne 10 000 euros. Ça a coûté cher le train? Oui. Ça a coûté combien? C'est ma patronne qui me l'a payé mon train. Et elle est là ma patronne. Et elle est là ma patronne. Ouais. Eh ben écoutez, en plus, alors là, si vous gagnez, je vous raconte pas le dimanche qu'on va penser. Attention, cadeau! Pour découvrir ce que font vos enfants, vos chiens, vos chats, vos canards, vos plantes vertes quand vous n'êtes pas là, voici un génial robot connecté de compète. Caméra HD, 5 mégapixels, capable de pivoter à 120 degrés, micro et haut-parleur intégré pour communiquer avec vos proches, vision nocturne, détecteur de mouvement. Valeur du gardien de compète, comme je le disais, 216 euros. Excellent, et tous ces cadeaux sont pour vous. Alors regardez bien, on va le faire ensemble. Allez-y, Zlec, lâchez-vous. L'appareil à fondu. La carte shopping. La chaîne IFI. L'appareil photo. La montre connectée. Le week-end, l'épilateur, le snow scoot. L'ordi portable, la console, la télé 4K. Le smartphone de l'enfer, le drone de dingue. Le mobilier pour les enfants, les jouets. Un an d'entrée dans un parc d'attractions et la voiture qui est une Golf All Track. De chez Volkswagen. Valeur de l'étoile, 64 967 euros. Ça va? Vous allez vous concentrer sur l'image qui est là-haut. Il y a quelqu'un sur un quad. Qui est cette personne? Les 12 coups de midi. Alors, qui est-ce? Alors, hier... c'est important, vous avez dit Michel Polnareff. Alors, qui est... On vous a mis un écran un petit peu plus proche. Vous dites... Philippe Lucas. Philippe Lucas. C'est vrai que quand même, il y a de la ressemblance, ce serait génial. Décompte. C'est vrai qu'il y a de la ressemblance physiquement. Michel Polnareff hier, Philippe Lucas. Regardez. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dimanche, c'est... Ah, c'est pas lui. Mais quand même, vous avez une cagnotte aujourd'hui de 10 500 euros. Ah, allez, embrassez votre patron, évidemment. Parce que moi, je vais remettre un chèque merveilleux de 140 000 euros au piège de Anne-Marie, qui était là depuis le début. Venez madame, parce que c'est grâce à vous, vous allez évidemment aussi Virginie parmi nous. Venez tous ensemble, c'est un plaisir. Anne, je suis tellement émue. Merci à vous, merci à votre public. Je vais être un peu officielle, parce que c'est moi qui suis émue en tant que maman. Hein.